Et les potos, petite info mercato, on va aller à l'OM les amis, parce que l'OM se rapproche très fortement de Nuno Tavares d'Arsenal les amis. On voit ça ensemble. Allez, c'est parti. Nuno Tavares reste dans le viseur de l'OM. Pablo Longoria, le président du club marseillais, se trouverait à Londres ces derniers jours. Nuno Tavares, le latéral gauche d'Arsenal, est toujours dans le viseur de l'OM. Ce dernier, à l'image de William Saliba, a effectué son retour à l'entraînement ce lundi. Après une première saison compliquée chez les Gunners, l'international espoir portugais âgé de 20 ans ne serait pas insensible à l'intérêt que lui porte le club de Ligue 1. Et ce dernier veut s'appuyer sur les bonnes relations entretenues avec le club londonien pour tenter d'obtenir le prêt de l'ancien membre du Benfica Lisbonne, rapporte la Provence. Arrivé l'été dernier contre la somme de 8 millions d'euros plus 2 de bonus, Nuno Tavares a dû faire face à la concurrence de Kieran Tierney. Ce n'est qu'à partir du printemps dernier et à la faveur de la blessure de l'international écossais que le latéral gauche lusitanien a pu augmenter son temps de jeu. 28 apparitions toutes compétitions confondues à l'OM. Et à l'image de ce qu'a fait William Saliba la saison dernière, il pourrait avoir l'occasion de montrer toute l'étendue de son talent naissant. Pablo Longoria se trouverait à Londres ces derniers jours pour négocier le prêt du joueur. Et c'est possible ça les amis, hein. Franchement voilà, comme ils ont vu qu'avec William Saliba ça a apporté ses fruits parce que il a quand même progressé en une saison à l'OM. Et voilà, à mon avis, William Saliba, ça va devenir un taulier de la défense d'Arsenal avec Gabriel, les deux là franchement ils peuvent vraiment tenir la baraque. Pour moi Arsenal ça va être un contender, peut-être pas au titre mais au top 4 c'est sûr la saison prochaine en Premier League, parce qu'ils sont super, ils vont être super forts les amis, ils sont bien renforcés, ils vont encore se renforcer. Et pour l'OM franchement Tavares ce serait une très bonne option, hein, parce que voilà il a pas, voilà Kieran Tierney, voilà il est très fort avec Arsenal. Donc c'est normal que ce soit lui le titulaire. Mais Tavares, voilà, il a que 20 ans, il est encore jeune. Mais c'est un très bon joueur, franchement, à l'OM, je pense qu'il peut vraiment briller. Il peut vraiment être très bon avec l'OM. C'est vrai qu'à Arsenal, voilà, en Premier League, c'est jamais très facile. Mais franchement, s'il arrive à l'OM, je suis sûr que ça va être une des stars de la Ligue 1. Franchement, il va tout cartonner, et il va tout déchirer. Et l'année prochaine, ben, Arsenal, ils font comme avec Saliba, ils le rapatrieront. Et il aura sa place à Arsenal, j'en suis sûr et certain, parce que les quelques fois que je l'ai vu jouer, franchement, il est quand même pas mauvais, ce petit-là, les amis. Et voilà, c'était la petite info sur l'OM, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pas oublier de liker. Si vous avez plus de vidéos de ce genre, les amis, pas oublier de vous abonner. Prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao, ciao.